Bonjour à tous et bienvenue dans ce Voilà de quoi je te parle hors série numéro 3. C'est l'épisode qui est juste là sur ma timeline. Un épisode où j'ai dit beaucoup de choses et du coup je suis obligé de le séparer en deux parce que je peux pas supprimer assez d'éléments pour que ça dure moins de 10 minutes. J'ai abordé pas mal de choses et je trouve dommage de les supprimer. Parce que quand on fait des vidéos sur internet, il est de bon ton de dire si oui ou non on aime Doctor Who. Donc voilà, je me suis exprimé sur le sujet, vous allez voir ça dans quelques instants. Et pour finir dans cette deuxième partie, je réponds à quelques questions que vous m'avez formulées. Donc voilà, c'est parti, première partie, générique. J'ai pu voir dimanche dernier le premier épisode de la saison 8 de Doctor Who. Et pourquoi je tenais à vous en parler? Parce que ce n'est pas n'importe quel premier épisode de saison, c'est surtout le premier épisode qui introduit vraiment Peter Capaldi en tant que nouveau docteur. Donc voilà, je voulais vous donner mon avis là-dessus. Alors déjà, Doctor Who, avec mon superbe accent français, est ma série, on va dire, préférée avec Breaking Bad. Il y a plein d'autres séries que j'aime énormément, là n'est pas la question, genre True Detective par exemple, qui est une superbe série, mais Breaking Bad et Doctor Who, pour des raisons différentes, sont vraiment les séries qui me tiennent le plus à cœur, on va dire. Après, je suis pas forcément un fan à fond, je pourrais pas forcément vous sortir le nom de tous les méchants du Docteur, je connais pas non plus tous les épisodes par cœur, il y en a beaucoup, notamment des épisodes avec Matt Smith que j'ai plus en tête ou que j'ai vu qu'une seule fois et quand ils sont sortis, donc forcément je les ai un peu oubliés. Mais voilà, je suis cette série avec attention, j'aime beaucoup son concept. Je vais pas vous faire un historique de la série, vous vous renseignerez si jamais vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, quoi, qui est donc. J'ai vu quelques épisodes de l'ancienne série, c'est pour ça que pour ceux qui connaissent pas, je vous dis de vous renseigner, parce que c'est une très vieille série avec plein de... Enfin voilà, c'est la plus vieille série de science-fiction au monde. Donc voilà, j'ai vu quelques épisodes donc de l'ancienne série avec Tom Baker, j'ai dû en voir 4 ou 5, ça faisait partie d'un même arc en fait, c'était en gros l'avènement des Daleks, je crois. Pour vous dire, voilà, j'aime beaucoup cette série, mais je suis pas un fan inconditionnel, à savoir, j'ai pas vu tous les épisodes de la première série. D'ailleurs, au départ, j'ai détesté Doctor Who, je ne comprenais pas le principe, je comprenais pas pourquoi tout le monde, je trouvais ça mal fait déjà, je comprenais pas pourquoi tout le monde adulait cette série, enfin, commençait à l'aduler en France du moins, il y avait une communauté qui commençait à se former et tout, et je captais pas trop, mais c'est... C'est moche, les personnages, enfin, c'est assez particulier, quoi, enfin, j'arrivais pas à accrocher. Et en fait, c'est parce que souvent, quand je regardais des épisodes, je tombais au milieu d'un épisode sur France 4, ça devait être, et c'était souvent des épisodes qui concernaient les sous-intrigues de la saison, en fait, donc du coup, j'étais un peu perdu en plus. Voilà, mais il se trouve qu'un jour je suis tombé sur Blink, les anges pleureurs, donc un épisode de la saison 3, et bah, je suis juste tombé amoureux de cette série à ce moment-là en fait, parce que il se trouve que cet épisode-là est mon épisode de série préféré, mais toute série confondue en fait. Super bien écrit, super bien foutu. Enfin, regardez-le, quoi. Enfin, je trouve que c'est vraiment une merveille. Histoire que ce soit clair, David Tennant est mon docteur préféré. J'aime énormément Matt Smith. Je le trouve très 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 bon dans un autre genre, on va dire. Mais il y en a beaucoup qui... Enfin, il y en a beaucoup qui adorent Tennant et qui détestent Matt Smith. Je trouve que les deux sont complémentaires. J'aime beaucoup les deux, mais j'ai une préférence pour Tennant parce que, bah, juste, il chie la classe, quoi. C'est un beau mec, en même temps. Donc, voilà. Et... Donc Peter Capaldi promet beaucoup. Mais je vais y revenir tout de suite, avant je réponds d'emblée à une question qui revient souvent quand on pose des questions à quelqu'un qui parle de Doctor Who. Et alors, ton showrunner préféré, genre, est-ce que t'aimes bien Moffat? Steven Moffat, donc, qui a repris les rênes à partir de la cinquième saison, qui a repris les rênes de Doctor Who pour en écrire les épisodes, enfin c'était un showrunner donc.
c'est devenu le showrunner de la série après Russell T. Davis. J'ai un problème avec Moffat, mais je me suis rendu compte que j'étais pas le seul, donc ça me rassure. J'adore ce qu'il fait quand il écrit des épisodes, bah, des stand-alone en fait, donc des épisodes qui suffisent à eux-mêmes. Bah, par exemple, Blink, c'est Moffat qui l'a écrit. Il a écrit aussi, j'ai plus le titre en tête, ça doit être peut-être La Bibliothèque des Ombres, un truc comme ça. Enfin, ça se passe dans une bibliothèque, c'est un double épisode absolument... Enfin, absolument génial, qui se passe dans une bibliothèque sur une lointaine planète dans le futur. Ce double épisode est vachement bien aussi. Bref, tous les épisodes qu'il a écrits avant d'être vraiment showrunner sur la série, je trouve que ce sont presque les meilleurs épisodes des quatre premières saisons, en fait, à quelques exceptions près, et il y en a d'autres aussi qui sont très bien, mais bon, bref. Mais voilà, à partir du moment où il a été showrunner, bah là, ça a commencé à quaquer, en fait, il part dans des délires assez zarbes, en fait, et parfois t'as l'impression qu'il essaie de te montrer qu'il a réussi à joindre les deux bouts, mais ça marche pas, en fait, enfin, je sais pas, il y a plein de trucs, je trouve, c'est fil rouge, en fait, c'est sous intrigue, enfin, c'est souvent bancal, je trouve. Voilà, donc... Malheureusement pour lui, mais j'imagine très bien qu'il en a rien à foutre de mon avis, mais moi j'ai hâte qu'il s'en aille, en fait, et qu'il y ait un autre showrunner pour la série, parce que... Voilà, après peut-être que cette saison-là... La saison 7 était pas mal, par contre, la saison 7 était plutôt bien foutue. Mais voilà, et peut-être que la 8 va être bien aussi, donc peut-être qu'au final je vais changer d'avis, mais en tout cas pour les saisons 5 et 6, il y avait des concepts assez... Enfin, notamment la 5 fonctionnait sur un concept assez cool, mais je trouvais ça mal foutu, quoi. Bref, donc Moffat, moyen en tant que showrunner, très très bon en tant que scénariste d'épisode standalone. Voilà, Russell T. Davis, donc le showrunner précédent... Les histoires, dans le fond, en fait, étaient beaucoup plus adultes, je trouve. Moffat, en fait, écrit des contes. Donc c'est joli, ouais, c'est ça, c'est mignon, c'est... Mais bon, Russell T. Davis, il y avait vraiment des doubles sens, quoi. Ça plaisait aux enfants et aux adultes, on va dire, qui pouvaient voir des choses que les enfants peuvent pas voir, mais... Il y avait tout ça, quoi. Moffat, ça plaît aux enfants et aux grands-enfants, on va dire. Je trouve. Voilà. Vous pouvez vous déchaîner dans les commentaires, me dire que j'ai tort, mais voilà. Voilà. Et pourquoi j'aime bien Doctor Who aussi, pour finir, avant de parler enfin de la 8ème saison, il serait temps. Je trouve qu'il y a un aspect comics, en fait, dans Doctor Who, qui est justement avec donc ces sous-intrigues qui durent tout le long d'une saison, qui, au début, enfin, la première fois que j'ai vu ça, je m'attendais pas forcément à ça, en fait. Et du coup, tu as une résolution vers la fin de la saison, et tu te dis, mais oui, c'est vrai que ça, ça et ça, on a vu dans les épisodes d'avant, il y avait une scène très courte où il faisait allusion à ça et tout, et en fait tu te rends compte que, bah voilà, pour chaque saison, t'as une sous-intrigue, plus ou moins cachée dans les intrigues des épisodes, on va dire, et qui trouve sa résolution à la fin. Il y a des spin-offs avec Torchwood, donc il y a plein de personnages qui sont créés, qui se répondent, qui... Voilà, donc il y a vraiment un aspect comics dans Doctor Who, pour de multiples raisons, je les ai pas toutes citées, mais voilà. Donc voilà pourquoi j'aime bien Doctor Who. Alors, cette saison 8, à suivre. Oh mon dieu, le suspense !